le symbole de Cléopâtre, on sait que c'est quand même un peu le serpent. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que Sophia avait une phobie des serpents et qu'il a fallu qu'elle joue le jeu. Et c'est cette force qu'elle a, que tout d'un coup, voilà, elle sait qu'il faut le faire, donc elle le fait. Je fais des efforts, j'ai pris une photo, j'ai même touché. C'est bien la première fois que je touche à tout ça. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Je pense qu'il va falloir prévoir un petit peu tout le temps pour que je m'habitue à tout ça, si j'en ai un chaque soir sur scène. D'ailleurs, elle est beaucoup plus forte que certains danseurs, parce qu'il y a deux danseurs qui ont aussi cette phobie et qui eux n'ont pas pu. Et ils sont partis de la scène. 3 secondes. Bon voilà, regarde, je le fais moi. Il y aura des serpents dans le spectacle. Malheureusement, c'est quand même la mort de Cléopâtre. Et on finit le spectacle par la piqûre du serpent et son suicide. Donc il y aura des serpents sur scène. C'est pas possible, désolé. Serpent, je peux appeler. Tu veux Allez, tout le monde se tait. Vous êtes prêts? Sinon, on va recommencer 15 fois et c'est lourd. Alors, regarde la caméra, Kamel, non? Non. Regardez en haut, c'est tout. Alors, moteur demandé. Ça tourne. Donc, on y va tranquillement. Le dernier plan était beaucoup trop difficile. On était allongés et les yeux fermés. Ils ont lâché des serpents. Et j'ai tenu le coup jusqu'au moment où j'ai senti une sorte de bisou au niveau de mon cou. Et j'ai hurlé. Et j'avais donc un serpent qui était en train de m'embrasser le cou. Et j'ai absolument pas pu tenir. Et j'ai dû louper tout le plan. Mais je suis partie en courant. J'étais dans un état de stress. Ça m'a fait rire. Et voilà. Et puis ça fait partie de l'humeur du clip et des anecdotes qu'on aura racontées. Et puis aussi de nos souvenirs qui nous seront propres.